dans le domaine de l'éthique. Et nous avons parlé de la différence qui doit exister entre le chrétien et l'homme du monde. En cette période de congé, chacun prend sa voiture et se lance au milieu des autres voitures, à l'assaut des cols, des plages, ou à la découverte de paysages inconnus. Et c'est un flot de voitures, c'est un flot de conducteurs qui se trouvent ainsi sur les routes et autoroutes, sur les chemins et parfois même sur les pistes. Alors ce matin, je vous invite à réfléchir à la conduite du chrétien au volant. Le chrétien chauffeur. J'espère que nous ne soyons pas obligés de dire le chrétien chauffard. Alors, quelques réflexions ce matin. La Bible a-t-elle quelque chose à dire au chrétien qui est au volant de sa voiture? Eh bien, écoutons un texte dans le deuxième livre des Rois. Deuxième livre des Rois, au chapitre 9, versets 16 à 20. Jéhu monta sur son char et parti pour Jizréel, car Joram était alité, et Akazia, roi de Juda, était descendu pour le visiter. La sentinelle placée sur la tour de Jizréel vit venir la troupe de Jéhu et dit « Je vois une troupe !» Joram dit « Prends un cavalier et envoie-le au-devant d'eux pour demander si c'est la paix. » Le cavalier alla au-devant de Jéhu et dit « Ainsi parle le roi, est-ce la paix ?» Et Jéhu répondit « Que t'importe la paix ? Passe derrière moi !» La sentinelle en donna avis et dit « Le messager est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. » Joram envoya un second cavalier qui arriva vers eux et dit « Ainsi parle le roi, est-ce la paix ?» Et Jéhu répondit « Que t'importe la paix, passe derrière moi. » La sentinelle en donna avis et dit « Il est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. » Et le train est comme celui de Jéhu, fils de Nimshi, car il conduit d'une manière insensée. » Voici donc un homme qui était connu dans le pays à cause de sa manière de conduire son char, sa voiture. Et ce général en chef, était réputé parce qu'il conduisait comme un insensé, parce qu'il traversait les villes et villages, parce qu'il s'élançait sur les routes et sur les chemins, en poussant ses chevaux, je ne sais pas combien il en avait, en poussant ses chevaux à fond de train. Au point que les gens disaient, en voyant un nuage de poussière au loin, c'est Jéhu, l'insensé. Jéhu, quel était cet homme ? Un général, un chef, un homme fort, un homme sûr de lui, un homme sans pitié pour les adversaires. Mais c'était aussi un homme qui a été choisi par Dieu pour accomplir une mission. C'était un homme qui va être employé par Dieu pour régler un problème au sein du peuple. C'est un homme qui va devenir roi. Et il était connu pour ayant une manière de conduire son char qui faisait dire de lui « c'est un insensé, le chrétien au volant ». J'étais dans ma voiture il y a quelque temps dans la rue Saint-Pierre. Une circulation normale pour Marseille, c'est-à-dire que l'on avançait au petit pas. Et tout à coup, sortant d'une cour, débouche une voiture qui se met devant moi. Coup de frein, nous regardons, il s'agit là de quelques jeunes filles, et derrière, Jésus sauve, Jésus t'aime. Cela a donné lieu à quelques réflexions. J'étais une fois au volant à côté d'un
serviteur de Dieu, non, c'est pas moi qui conduisais, à côté d'un serviteur de Dieu dans sa voiture. Sur sa voiture, il y avait des slogans, des écriteaux. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Il ne tient pas compte de l'avis d'un agent au carrefour du boulevard national. Et cet agent, voyant les versets bibliques, commence à insulter Dieu parce que mon frère n'a pas tenu compte de ses avertissements. Parfois, il nous arrive d'être dans la voiture de chrétiens qui, consciencieusement, avant de mettre le contact, demandent à Dieu de les protéger, d'accorder sa grâce sur la route, de leur donner le privilège de revenir sains et saufs, sans accident. Et ensuite, ils s'élancent. Et les voici maintenant sur la route, conduisant au milieu de la route, prenant les virages à gauche. Je ne suis pas craintif. J'ai rarement peur dans la voiture. Mais il m'est souvent arrivé, dans des cas comme ça, de me demander si le Seigneur n'a pas dû mobiliser un régiment d'anges pour protéger ce conducteur de ses propres imprudences. Certains prennent des petites routes, des Cévennes ou de la Drôme pour les pistes du rallye de Monte-Carlo ou le circuit du Mans. La route est à eux. On n'a aucune visibilité à 10 mètres, à 20 mètres, et pourtant ils foncent. Il conduit d'une manière insensée. Il est un fait qui est établi même par les gens du monde que la voiture modifie le comportement d'un homme. Pourquoi cela? Parce que nous avons l'impression d'être dans une carapace. La voiture devient petit à petit un second corps. Nous sommes dans la voiture, enfermés dans une coque d'acier. Nous devenons notre voiture. Écoutez les personnes, les chauffeurs parler de leur voiture au parking de l'autoroute. Je consomme du 9 au 100. Je fais de l'huile. Je fais du 110 de moyenne. Est-ce que ce n'est pas la voiture? Non, c'est je. Ils s'identifient avec la voiture. La machine, c'est eux. Je suis la voiture. Et quand on est dans sa voiture, on se sent tout à coup un autre homme. On se sent dégagé de certaines contraintes que nous nous imposons ailleurs. Avez-vous remarqué qu'au volant de notre voiture, nous sommes plus facilement impolis envers les autres? Avez-vous remarqué que les chauffeurs se tutoient facilement d'une voiture à l'autre, s'insulte facilement d'une voiture à l'autre? La politesse tombe. Chacun est bien dans sa voiture, roulant peut-être côte à côte à 100 km à l'heure, mais ne manquant pas de faire certaines menaces en passant. La voiture dégage en nous des comportements différents, des comportements qui font tomber certaines contraintes, certaines habitudes de politesse et qui dégagent une agressivité. Alors, le chrétien dans sa voiture, est-il comme les autres ou doit-il être différent?
N'y a-t-il pas là aussi un lieu où le chrétien doit montrer qu'il est différent? L'apôtre Paul écrit dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 31, « Faites tout pour la gloire de Dieu. » Tout pour la gloire de Dieu. Même conduire ma voiture, même mon comportement sur la route doit être à la gloire de Dieu. Et la manière de conduire sur la route doit être un témoignage bien plus que les slogans, que les autocollants que je vais y mettre. Sommes-nous des conducteurs différents? Quels sont les dangers que nous avons à éviter cet été sur les routes? Eh bien, tout d'abord, l'imprudence. On peut tuer par imprudence. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes responsables lorsque nous tuons par imprudence. Deutéronome 22, verset 8. Si tu bâtis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit, afin de ne pas mettre du sang sur ta maison, dans le cas où il en tomberait quelqu'un. Il n'y a pas là homicide volontaire, prémédité. Il y a là homicide par imprudence, par négligence. Ou bien écoutons encore ce qui est dit concernant le bœuf qui peut blesser quelqu'un. Exode 21, verset 8 à 29. Exode 28-29. Si un bœuf frappe de ses cornes un homme ou une femme et que la mort en soit la suite, le bœuf sera lapidé et sa chair ne sera point mangée et le maître du bœuf ne sera point puni. Mais si le bœuf était auparavant sujet à frapper et qu'on en ait averti le maître qui ne l'a point surveillé, le bœuf sera lapidé dans le cas où il tuerait un homme ou une femme et son maître sera puni de mort. Le bœuf qui tue, le bœuf dont le caractère agressif était connu, le maître est responsable et doit être puni de mort. La voiture mal vérifiée, les freins qui ne sont pas bons, les pneus usés, des quantités de choses qui sont des négligences que nous faisons peut-être par économie, mais il se peut que cette négligence, il se peut que cette imprudence blesse ou tue. Ne disons pas alors, je n'y peux rien. Nous avons été imprudents, nous sommes responsables. La vitesse excessive, même s'il est permis de faire du 90 sur certaines routes, nous ne sommes pas obligés de faire du 90. Il faut savoir contrôler sa voiture. Il faut savoir la garder en main, nous dit le code. Vous vous souvenez de cette grande marque de carburant qui parlait de mettre un tigre dans le moteur. Et à l'époque, j'ai une fois vu un autocollant sur une voiture qui disait « À quoi sert un tigre dans le moteur s'il y a un âne au volant ?» L'imprudence qui tue. La voiture donne aussi un sentiment d'orgueil et une volonté de puissance. Et la parole de Dieu nous met en garde contre l'orgueil. Dans les Proverbes au chapitre 16, verset 18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Ah, quel sentiment on a lorsqu'on peut doubler une voiture, lorsque l'on peut avaler les kilomètres. Je parle des voitures, mais c'est aussi vrai pour les motos. Ne devons-nous pas lutter parfois contre ce sentiment d'orgueil qui peut nous envahir au volant d'une belle voiture nouvelle, neuve et plus puissante que l'ancienne? Ou bien encore cet attachement excessif à la voiture.
Je me souviens d'un brave chrétien qui est venu nous visiter un jour et qui cajolait sa voiture. Et comme vous savez qu'on ne peut pas circuler à Marseille sans se faire égratigner et cabosser, ce brave frère qui avait stationné sa voiture juste en face dans une ruelle, quand il est descendu, il a trouvé une égratignure sur son capot. Quel malheur ! Quel malheur ! Et on a sorti le chiffon, et les murmures, et les plaintes. Ma voiture ! Comment on peut s'attacher à sa voiture ? Et pourtant, ça ne doit être qu'un moyen, ça ne doit être qu'un objet, ça ne doit rester qu'un objet de service. Au volant d'une voiture, on se laisse aussi facilement gagner par l'irritation. Et là, c'est un grand danger. Nous roulions un jour sur l'autoroute de Marseille et étions plusieurs à rouler, disons, à ce qui, maximum qui était permis, donc il n'y avait aucune raison d'être doublé, dépassé, de toute façon il n'y avait pas de place. Et voilà que soudain, derrière, il y a un appel de phare, de plus en plus fort, mais il n'y avait pas moyen, on ne pouvait pas faire autrement. Et au bout d'un moment, cette voiture dépasse l'ensemble, par la droite, va se mettre devant la file et freine brutalement, par représailles, pour ennuyer ceux qui viennent derrière. Le conducteur lui-même a eu du mal à redresser sa voiture qui chassait dangereusement, puis il est reparti. La colère, il s'est laissé emporter par la colère. Et il est toujours dangereux d'avoir entre ses mains un instrument qui peut faire du mal quand on est en colère. Un homme qui a les mains nues en colère n'est pas très dangereux, mais un homme qui a une mitraillette à la main quand il est en colère est dangereux. Un homme qui a une voiture entre les mains et qui se laisse emporter par la colère est dangereux. Savoir patienter lorsque le feu passe au rouge, savoir rester calme quand les choses vont mal. Quel doit être le comportement du chrétien? Eh bien, dimanche dernier, nous avons dit que nous devons voir en l'autre le prochain. Et je dirais que je dois considérer celui qui roule dans une autre voiture comme mon prochain. Mon prochain. Celui que je vais peut-être rencontrer au prochain parking. Celui auquel je voudrais peut-être donner un traité au prochain parking. Mais si je lui ai montré le point, ou si je lui ai refusé l'autorisation de dépasser, alors que c'était absolument facile et possible, si je me suis mal comporté sur la route, est-ce que je peux lui parler de l'amour de Jésus au prochain parking? Non, je l'éviterai. Il ne sera plus mon prochain. Je ne peux plus rien faire pour lui, parce que je me suis mal comporté au volant de ma voiture, envers lui. Nous devrions agir envers les autres de manière à ce que nous puissions toujours, en tout lieu, lorsque nous les rencontrons, leur parler du Seigneur. Et cela exclut toute impolitesse, cela exclut toute agressivité, cela exclut toute tricherie. Savoir reconnaître le prochain au volant de sa voiture. L'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens 10, verset 33, « Je m'efforce en toute chose de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre. » Et cela peut être vrai à un carrefour en ville. Le soir à 6 heures, lorsque, malgré les feux, tout le monde se trouve au milieu du carrefour et que tout est bloqué, considérer les intérêts des autres, ce sera peut-être de ne pas avancer lorsqu'il y a une place qui se dégage devant nous
pour pouvoir permettre à l'autre sens de se frayer un passage. Cela nous fera peut-être perdre 5 minutes, mais cela dégagera le carrefour. Il faut parfois si peu de choses pour débloquer la circulation. Mais si chacun veut avancer, si chacun veut la première place, cela embouteille tout le monde. Savoir considérer les intérêts des autres, savoir céder une priorité, savoir avoir un comportement poli. L'apôtre Paul écrit dans Romains 12, verset 10, « Par honneur, usez de prévenance réciproque. » Ça ne coûte pas grand-chose de dire merci à quelqu'un qui vous laisse le passage. Ça ne coûte pas grand-chose de sourire aux autres conducteurs lorsque tout le monde s'énerve au volant et klaxonne. Un sourire peut détendre l'atmosphère. Si nous sommes tous crispés, si nous sommes tous tendus, si nous sommes tous énervés, si nous nous comportons tous comme des ours sur la route, où est le témoignage? Notre comportement doit décrisper, notre comportement doit dégager, doit aider. Cela signifie que nous devons nous soumettre à une certaine discipline du Saint-Esprit. Le code de la route est une loi, le chrétien se doit d'y obéir. C'est une loi qui est bonne pour nous, même si elle nous impose quelques contraintes. Nous devons nous y soumettre et ne pas tricher. Mais le Saint-Esprit exige davantage de nous que la stricte observation du code de la route et des lois humaines. Le Saint-Esprit exige de nous un comportement nouveau. En ce moment, on fait une campagne pour les nouveaux conducteurs. En tant que chrétiens, nous devons faire mieux, nous devons faire plus. Être de nouveaux conducteurs parce que nous sommes des hommes nouveaux. Parce que le Saint-Esprit, qui est un esprit d'amour, un esprit de patience, un esprit d'amabilité, un esprit de pardon habite en nous. Être différent aussi sur les routes, être différent envers les inconnus, les étrangers, ça devra aussi être un sujet de réflexion pour nous cet été. Et alors je pense que nous passerons là aussi de bonnes vacances. Et c'est ce que je vous souhaite à tous. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que ta parole nous donne des indications qui sont précieuses et qui nous aident à nous conduire différemment. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour que tous ceux d'entre nous qui cet été se déplaceront sur les routes soient protégés de tout accident, soient protégés de leur propre imprudence et de l'imprudence des autres. Nous te demandons, Seigneur, de nous rendre vigilants, de nous rendre aussi soumis à ta parole et à ton esprit. Nous te prions pour que ces vacances soient pour chacun d'entre nous la grande occasion d'un renouvellement intérieur et physique, afin qu'à la rentrée, nous puissions nous réjouir d'être de nouveau ensemble et de mettre en commun les trésors que tu as mis à notre disposition au cours de cet été. De mettre aussi en commun les forces que tu nous as données pour te servir à nouveau. Et que la nouvelle année soit une année d'abondante bénédiction. Veuille, nous t'en prions, bénir tous ceux d'entre nous qui auront des services, qui auront un ministère à remplir, qui auront des occasions de témoignage. Veuille bénir les enfants qui iront dans les colonies, les jeunes dans les camps, ceux qui te serviront comme moniteurs ou autrement. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.